Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Samba Samba, l'émission qui vibre au rythme de vos vacances. Durant toute cette période, Samba Samba t'offre la liberté de parler de tes vacances en appelant direct, en laissant tes messages vidéo ou audio via Skype et FaceTime ou sur les réseaux sociaux, tout cela dans la joie et la bonne humeur. Samba Samba, partageons le bonheur. Et en parlant de bonheur, j'ai effectivement la joie de piloter cette émission avec Juliette et Denise. Bonsoir. Samba. Samba, Roger, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, je vais beaucoup mieux. Tu as la pêche. Et comment? C'est vrai que hier, je pense que j'ai dû attraper un coup de soleil. C'est normal, nous sommes dans un jardin. Mais grâce à toi, j'ai eu... Tu m'as filé une crème solaire, c'est bien ça? Magique. Magique, c'est super. Et toi, je vois que tu es solaire. Oui, je vais bien, comme d'habitude. N'est-ce pas? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de divertissement Samba Samba. Un seul numéro, le 02 31 77 77. Ou alors, vous pouvez nous joindre via Skype, canal 7, @SambaSamba. Aussi, également, sur notre page Facebook, Samba Samba. Exactement, Denise. Je pense qu'il est temps pour nous de passer à la question du jour. Quel est le tube qui vous a le plus marqué? Le tube de l'été qui vous a le plus marqué? Quel est le tube de l'été qui vous a le plus marqué? On attend vos réactions, n'est-ce pas, Denise? Bien sûr, au 02 31 77 77. Ou encore via Skype, canal 7, @SambaSamba. Ouh, magnifique! Mais dis-moi, si nous allions retrouver Juliette. Juliette, je t'aime! Juliette, je t'aime! Salut Juliette! Bonjour Juliette! Samba, vous. Samba, Samba! Bien, moi, je vais hyper bien. Alors, Roger, c'est le début du week-end, je sens attends, que j'ai deux ravissantes jeunes femmes. Bientôt le week-end, il est en forme. Heureux. Ah, tu es bien chaud aujourd'hui, Roger. Bah écoute, c'est dans ma nature, c'est dans ma nature. Tu as bien peu aujourd'hui? Non, pas du tout. N'oublie pas que l'alcool, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Bah, oui. Alors, Juliette, dis-moi, quel est le tube de l'été qui t'a le plus marqué? Macarena. Macarena. Ah oui. Macarena. Ouais, je m'en souviens bien de ce titre, ouais. N'est-ce pas? Ouais, je m'en souviens bien. Et toi, Denise? Moi, je suis plus... Zouk Machine. Musique chez Bran. Tu sais, même si on fait un petit solo. Nettoyer, balayer, astiquer. Je connais pas la suite. Là, excusez-moi, Ami Antillet. Roger, tu n'échapperas pas à cette question. Alors, Roger. Moi, c'est la Soca Dance. Non, arrête. Eh oui, tu sais, il y avait le petit là qui lançait Dance. Soca Dance. Douce au cadence. Yes. Eh oui, souvenir. Mais en parlant de ça, ils ont été nombreux, nos téléspectateurs, qui sont de plus en plus fidèles, et c'est sympa de leur part, à nous avoir écrit massivement. Ah, on va passer au message plus tard. On a un appel Skype. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien. Donne-moi ton prénom, s'il te plaît. Cédric. Cédric? Ouais. Cédric, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de Paris. De Paris? Waouh! Magnifique! Alors, Cédric, tu es en vacances. Qu'est-ce que tu fais durant tes vacances? Je bosse. Oui? Les mecs n'ont pas la chance d'avoir des vacances, donc moi je bosse. Ah, c'est pas mal. Mais avant, j'aimerais savoir quel est le tube de l'été qui t'a le plus marqué? Oh, c'est très simple, hein. C'est Je Flip de Ziki avec Dark Age. Waouh, super. Alors, quel temps il fait à Paris? Comment? Quel temps il fait à Paris? Il fait excessivement chaud. Ah. C'est étouffant. Mais tu ne vas pas te plaindre. Vous avez quand même eu un hiver assez rude. Oui, mais c'est ça tout le paradoxe, en fait. C'est-à-dire qu'on a un hiver qui est assez rude et après on a l'été qui fait super chaud. Bon, c'est pas tous les jours comme ça, mais aujourd'hui, par exemple, il fait très chaud. Et honnêtement, il vaut mieux rester à l'ombre. D'accord. Et tu préfères rester à la maison? Tu es à la maison en ce moment? Je suis à la maison parce que moi, je bosse, effectivement, donc ça m'arrange aussi. Parce que mais dis-moi, Cédric, est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu peux aller vers la fenêtre, à ta fenêtre, essayer de nous montrer la vue? Oui, bien sûr, hein. Ouais. Non, est-ce que vraiment tu es à Paris? On veut savoir. Bon, d'ici, mais pas voir la Tour Eiffel, hein, bien sûr, mais... Mais on veut voir, en tout cas, la région parisienne. Ah oui, là. Ah oui. Voilà. Et tu es où exactement?
Comment? Tu te trouves où exactement? Attends, je vais fermer la fenêtre parce que du coup après j'entends plus rien. Tu te trouves où en ce moment? À Paris, en région parisienne? En région parisienne, oui. Où ça exactement? À Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne. Eh oui, super. Alors, tu as une dédicace à faire passer? Un message, peut-être à ton amoureuse? Il vaut mieux... À la famille, peut-être au Gabon. Parce que de toute façon, on n'est pas très loin, donc du coup, j'ai la chance qu'elle soit juste à côté, donc... Mais tu as encore de la famille au Gabon? Comment? Tu as encore de la famille au Gabon? Ah oui, beaucoup de famille. Mais alors, c'est l'occasion de faire un samba à ta famille. Ben écoute, à tous mes parents, tous ceux qui me suivent sur l'émission, Big Up, j'espère que je serai au Gabon dans bientôt. Surtout que le film soit fait pour vous, c'est... je vous réserve l'exclusivité donc pour les nouveaux produits, évidemment, de la gamme Tracross, que beaucoup de gens connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, bon, les Tracross, c'est ça en fait, les chips de banane dans ça. Eh oui, magnifique Cédric. Donc, ce sera avec plaisir que je passerai sur le plateau de vos émissions pour venir présenter mais... l'exclusivité, donc non seulement le nouveau visage de la marque, mais aussi les nouveaux produits qui vont sortir très bientôt. Mais Cédric, sache que tu es ici, chez toi, on t'attend. Mais par contre, demain, petit défi, on... Merci Cédric. Cédric, par contre, on aimerait bien te lancer un défi. On aimerait que demain, tu puisses, aller pendant que tu es en train de marcher, que tu nous montres un peu ta ville ou ton lieu de travail. Enfin, on aimerait que tu nous rappelles. C'est possible? Ce sera possible, mais pas maintenant, parce que je suis en train de finaliser pas mal de choses, donc je bosse énormément. Bien sûr. Je bosse énormément, donc là, aujourd'hui ou demain, non. Mais en tout cas, dès que tu peux. Peut-être fin de semaine prochaine, ouais. Très bien, dès que tu peux, Cédric, tu es ici, chez toi. Allez, on t'embrasse, samba. Samba. À bientôt, Cédric. Merci. Merci à toi. Et bonne continuation, franchement, c'est génial votre idée, c'est génial. Merci, Cédric, c'est gentil. Alors, Denise, Juliette, je disais tantôt, on a eu pas mal de messages. On va les lire, on va en lire quelques-uns. Bien sûr. On a par exemple un message d'Etoumbi qui nous dit qu'il adore notre émission et il fait un samba-samba à sa maman du côté de Franceville. Moi, j'en ai un. Bonsoir, c'est Kilo Flash, à partir de la RDC. J'aime aussi visiter le Sénégal, notre destination d'hier, je pense. Votre présentation est super bien. Je parle pas très bien français. Ne t'inquiète pas, Iko Flash, on te comprend, on te fait un samba-samba. Ça va. Alors, moi, j'ai un message ici, d'Abdoul, depuis le Niger. Je vous salue, mes chers amis. Samba-samba. Voilà. Et moi, j'en ai un autre. Moi, c'est le Calife. Le Calife, depuis Mwanda, je fais un gros coucou à toute la team Baron LTN. Moi j'en ai un, alors j'ai un samba de Lambaréné, c'est Koji Bongo. Salut à toute l'équipe Samba Samba, je kiffe grave votre émission et je vous souhaite longue pérennité sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Yes. Coucou Koji, merci encore, samba à toi. Alors Roger, moi j'ai un message, il est très... Je sais pas. Il est surprenant. Vas-y, on t'écoute. Bonjour, bonjour. Tu peux m'aider à dire au monde que Jésus-Christ est merveilleux et qu'il arrive bientôt. Et le diable, si tu as le temps, passe le SMS à toutes les personnes. C'est assez cocasse, c'est assez cocasse en effet. Et à 10 personnes. Mais le message est passé. Il est passé. Le message est passé. Moi, j'en ai un. Bonsoir à vous, je me nomme Jean-Félix de la Guinée-Conakry. J'aime votre émission Samba Samba. Merci Jean-Félix de la Guinée-Conakry. J'en profite aussi pour passer un Samba Samba à mon ami qui est aussi de la Guinée-Conakry, mais qui se trouve à Metz, Mamadi. Moi aussi, j'ai aussi un Samba de la Guinée-Conakry, justement. Alors, c'est un professeur d'histoire, monsieur Sylla Idrissa. Il dit, alors, j'aime votre émission, elle est très importante. Merci, merci beaucoup, monsieur Idrissa. On te fait un samba-samba. Exact. Moi aussi, j'ai un message. Samba-samba sur le plateau à toute l'équipe qui vous accompagne, sans oublier toute ma famille. Dans les quatre coins du Gabon, signé Jocelyn Le Sympa depuis PK9. Samba-samba à Jocelyn. Eh oui, samba-samba, samba à tous. C'est Larson du côté de Zinayon. Il est content de cette émission car il pense que ça fait le buzz à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors... Un big up donc à Jessica, son amoureuse, et ses frères de Mouila et son pote Francis qui se trouve aux États-Unis. Samba samba à toi. Moi j'ai un message d'Orlina Dakebe.
Samba, samba, elle m'envoie un H-U-M du genre... C'est Dorlina Dakebe. J'adore votre émission, j'adore l'accoutrement de la fille en noir, je ne sais pas qui c'est. Samba, samba à tous les téléspectateurs de Canal 7. Ok, je vois. Quand je la vois, j'ai encore envie de la voir danser dans cette cadence. Bisous Dorlina, on te fait un samba, c'est gentil. Ah bah très bien. Bah écoutez, on va continuer, on reprendra, il y a encore des messages qui arrivent. Il y en a beaucoup. On les lira tout au long de l'émission. Et là, comme d'habitude, une destination, comme d'habitude, idée voyage. Cette fois-ci, nous allons du côté de... Bamako au Mali. Et il y a toujours une question que je me pose. Il paraîtrait que tous les jours, tous les dimanches à Bamako, c'est le jour du mariage. Ah bon ? Alors pour le coup, j'aimerais aller vivre... Roger, pas de polygamie. C'est pour tous doucement, les dimanches. Doucement, Roger. Bah écoutez, voyage au Mali, Bamako, on regarde. Rastafari, on est ensemble. Ouais. Eh oui, destination Mali à Bamako. Encore une destination, une idée voyage, toujours pour découvrir aussi les autres cultures. Mmh. Et justement, en parlant d'autres cultures, je souhaitais aussi qu'on fasse un clin d'œil à notre pays, le Gabon. Et c'est la raison pour laquelle je vous envoie, hein, je vous invite à découvrir le parc national Divindo. Divindo. The Ivindo National Park covers 3,000 square kilometers, covered in intact tropical rainforest, and with the imposing 70-meter-high Gigi Falls and Kungu, Central Africa's most impressive waterfall complex, Ivindo is truly spectacular. In the Longwe Basin to the south, there are extensive rocky outcrops as well as bay, an open marshy clearing, isolated in the rainforest, whose mineral-rich soils attract large numbers of elephants, buffaloes, sitatungas and gorillas from far and wide. Only discovered in 2000 by the explorer Dr. Mike Fay during his remarkable Mecca transect walk across the Congo Basin, the wildlife around the clearing has been so little exposed to human activities that they have almost no fear of man and are easy to observe.
The gorillas at Langwe are quite different to the mountain gorillas of Rwanda and Uganda. They are more frugivorous, and their limbs are slightly longer, allowing them to climb into fruiting trees more easily. In 2004, 7 gorilla groups were using Dubai. It is difficult to predict when they will visit, but they are seen more frequently in the dry season, generally early morning or late in the afternoon. The forest elephants in Ivindo also have their particularities. They are characterized by their small rounded ears and straight, down-pointing tusks. The exceptional feature of Dubai is the number of massive bull elephants, which are sometimes seen fighting to defend a particularly rich patch of mineral soil or to impress receptive females. The undisturbed forest of Ivindo have other treasures to offer, including the highest diversity of rainforest birds in all of Central Africa. There are at least 430 species, including the mythical rock fowl. Bird watchers also seek out rare primary forest raptors, terrestrial species, and huge flocks of African grey parrots that roost in raffia palms along the rivers at night. All along the Gigi River, numerous slender-snouted crocodiles like to sun themselves on exposed branches and tree trunks. The majority of the slender-snouted crocodiles are relatively small, but some individuals exceed 3 meters. Ivindo National Park is the best site in Africa to see these crocodiles. But watch out, their speed can sometimes startle you. This is also the best place to see families of Congo clawless otters foraging along the banks or peeping through the surface of the river. The river has a real wildlife spectacle to offer to any adventurous kayaker. Eh oui les filles, le parc national d'Ivindo. Il faut quand même que je vous dise quelque chose sur ce parc hein, national d'Ivindo. Il est situé au centre-est du Gabon. Il est traversé par l'Équateur. Il abrite les chutes de Congo, ainsi que Langwe Bay, l'une des 5 clairières forestières les plus importantes d'Afrique, où se trouve la plus forte concentration de gorilles au Gabon. Vous saviez tout ça? Non, je ne savais pas. On a de très beaux paysages. Bien sûr. Pense que notre pays, le Gabon, mérite d'être visité. Donc j'invite ceux qui sont sur le continent et qui souhaitent découvrir finalement le Gabon, peuvent venir là, à ce parc national d'Ivindo. Pour parler aussi du Mali. Le Mali, il y a aussi quelque chose à aller voir, le village d'Ogon. Tu en as entendu parler? Non, pas du tout. Mais je sais que le Bamako, c'est vraiment c'est un endroit très riche en couleurs. Exact. Un bel endroit à visiter pendant et les vacances surtout, ou la culture, pas. Bien ça, sûr. Est-ce que toi, tu connais un peu le Mali? Non, mais j'aime bien la culture. Ils sont plus en fait dans la culture et j'aime bien ça, en fait. D'accord. Mais j'aimerais vous poser une question, les filles. Vous, quand on vous parle, quand on vous dit vacances, ça vous évoque quoi? Repos, pour moi. Repos. C'est vrai que tu es une pile, toi. T'arrêtes pas. Maman. Autant que vacances, c'est repos, c'est des destinations, peu importe lesquelles, mais pour se reposer, en famille ou... voilà quoi. Et toi? Mais moi, je dirais loisirs. Loisirs, mais quel genre de loisirs, par exemple? En général, quand tu es en vacances, qu'est-ce que tu fais? À l'Entebbe, danser, la boîte, tout ça. Et pendant les vacances, je fais. Ah oui, c'est une chaleuse. C'est une chaleuse. Mais tu me fais une transition, tu me tends même la perte. Donc c'est l'occasion de poser à nouveau la question à nos téléspectateurs. Quel tube de l'été vous a le plus marqué? Quel est le tube de l'été qui vous a le plus marqué? Il n'y a qu'un seul moyen de nous contacter. Denise? Canal7@sambasamba pour Skype et bien sûr le numéro 02 31 77 77. Également sur notre page Facebook aussi, Samba. Eh oui, moi en tout cas, puisque vous ne me posez pas la question, apparemment les gens ici, non? Tranquille. On t'a déjà posé la question, Roger. Non, mais à savoir ce que représentent les vacances pour moi. Attends. Mais dis-nous, Roger. Mais vas-y. Sunset, samba. On sait que toi, c'est le travail, t'as jamais de vacances, Roger. Dis-nous. Ah oui, bah moi j'aime bien rester à la maison, lire. Ou bien cracra bonbon, tu fais. Cela ne vous regarde pas. Peut-être pas nous, mais les téléspectateurs, peut-être. Savoir si Roger est d'accord. Non, c'est toi qui dis ça. On attend toujours. Ton premier flirt, ton premier amour, on attend toujours. Oui, c'est vrai, on attend. C'était la question du lundi. On se retrouve lundi.
Voilà. Alors, Denise, n'oublie pas que la promesse est une dette. J'ai pas promis. Non, j'ai pas promis. Les amis, il faut aussi inviter, voire même inciter nos téléspectateurs à venir sur le plateau s'ils ont des événements, quels qu'ils soient, qu'ils viennent en parler. Le plateau de Samba Samba est là pour ça. C'est un agenda. Si vous avez des bons plans, vous venez. Vous nous partagez vos bons plans pour les vacances, pour que nous aussi, et les autres bien sûr qui nous regardent, partagent aussi ces bons plans et ces bons moments avec vous. Exactement. Et justement, en parlant de bons plans, là, il y a un superbe clip de Didier Décocaille, le roi du reggae. Yes. Mais il a un showcase. Il a un événement qui va se dérouler donc au PK12 ce samedi. Samedi 18 juillet au PK12. Ça va être vraiment monumental parce que c'est un grand artiste. Bien sûr. C'est un grand artiste, plus de 15 ans d'expérience. Et donc, il viendra sur le plateau. Mais pour l'instant, on prend cet appel qui vient donc du Sénégal. Issa du Sénégal. Salut Issa. Bonsoir Nangalef. Alors Issa, comment tu vas? Comment ça va au Sénégal? Ah, est-ce qu'on entend Issa? Issa, bah, je vois qu'on a un problème de connexion. On va reprendre Issa tout à l'heure. Alors, on va plutôt passer au clip de Didier Décocaille. Change. Regarde comment la terre tourne. Oui, elle chancelle. Regarde comment la terre tremble. Oh.
maritime, le poumon du pays. Tout le monde a le ventre vide. L'uranium, le manganèse de ma soupe. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le café, le cacao du Wolontem. Tout le monde a le ventre vide. Le pétrole, la carte, l'embarigny. Je sers, c'est le ventre vide. Malgré le mosungu, le manioc de l'angounier. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le poumé, le pétrole de l'angounier. Tout le monde a le ventre vide. Malgré la banane, le poisson de la nyanga. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le soukouté, oui, le mongoro comme de living dough. Tout le monde a le ventre vide. Malgré le mousungu, le koumé de la lolo. Tout le monde a le ventre vide. Les malibrevilles où se produit la politique. Tout le monde a le ventre vide. La guerre au Congo, Kinshasa, Brazzaville. Tout ça c'est le ventre vide. La guerre au Rwanda, Côte d'Ivoire, Somalie. Tout ça c'est le ventre vide. La guerre au Soudan, Libye, Centrafrique. Tout ça c'est le ventre vide. Le terrorisme est partout dans le monde. Tout ça c'est le ventre vide. Le terrorisme est partout dans le monde. Tout ça c'est le ventre vide. Si on ne construit pas ce pays pour nos enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Si on ne construit pas Africa pour nous-mêmes, qu'est-ce que nous deviendrons demain? Oyo, j'ai le ventre vide. Tu as le ventre plein. Tu as le ventre plein. Nous avons les ventres vides. Vous avez les ventres vides. Oh, oh, oh. Ils ont les ventres pleins. Oh, oh, everything is done. Everybody knows. Everything is done. Everybody knows. Oh, oh, everything is done. Everybody knows. Yes, everything is time. Everybody knows. Oh, everything is time. Oh, everybody knows. Yes, everybody knows. Yeah, man, Rastafari. Eh oui, c'était le clip de Didier. Mais nous avons, avant de recevoir notre invité, nous avons Issa qui nous appelle donc du Sénégal, on a réussi à l'avoir. Salut Issa. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas Issa? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Alors Issa, tu es en vacances? Non, pas encore, les vacances c'est après la soutenance, c'est un peu le moment, je ne suis pas en vacances. D'accord, alors dis-moi Issa, quel est le tube de l'été qui t'a le plus marqué? Bon, en gros, je veux dire, c'est Djirio parce que Djirio, lui, il fait danser tout le monde ici, donc il n'y a pas que les Gabonais qui dansent Djirio, il y a tout le monde, toutes les personnalités, donc Djirio, quoi. D'accord. Alors, Issa, après tes examens, qu'est-ce que tu comptes faire? Où comptes-tu aller? Tu comptes rester au Sénégal ou aller ailleurs? Qu'est-ce que tu comptes faire durant tes vacances? Bon, après, enfin, je compte rentrer, bon, on va voir ce que Dakar nous propose en ce temps, mais sinon, la première destination, c'est de rentrer au pays, hein, qui vient à un moment donné. C'est la famille qui soutient les études ici, hein, à un moment donné, bien qu'on rentre aussi, rembourser tout ce qu'on a dépensé, quoi. Très bien, Issa. Alors, Issa, tu as peut-être un message à faire passer à ta famille qui se trouve au Gabon, peut-être? Ouais, ça va, le message c'est un bien. Bonsoir à tous ceux qui vont direct en vidéo. C'est vrai qu'on aurait dû faire ça depuis hier, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, faire un coucou à ma maman qui se trouve du côté de ma petite soeur, Andine, à mes grands frères, mes grandes soeurs, un peu tout le monde qui nous verront, à mes oncles. Ah, nous avons perdu la connexion. Merci en tout cas, s'il nous entend, merci à Issa. Alors, viens de nous retrouver sur le plateau Didier Descocailles, artiste.
artiste chanteur de reggae et pas des moindres, plus de 15 ans d'expérience, hein. 15 ans de chansons, c'est énorme. Alors, Didier, bonsoir. Bonsoir. Samba. 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 Eh oui. Alors Didier, on t'accueille ce soir et encore merci d'avoir eu la gentillesse, l'amitié, de nous avoir fait l'amitié d'être là sur ce plateau. Je te présente Denise, Juliette. Juliette, Samba, vous connaissez Samba, peut-être. Voilà, Samba, Samba, tu es bien entouré. Tu es bien entouré. Maman gauche, maman droite. J'essaye toujours d'être bien entouré. Toujours, toujours. Alors Didier, tu viens sur ce plateau pour un événement. Et pas des moindres, un showcase qui va se dérouler donc le samedi 18 juillet, donc bientôt, au PK12, au Centre des Loisirs. Et bien entendu, la sortie de ce nouveau maxi, hein. Bon, on va dire que c'est un double album. C'est même un double album. Oui. Un double album. Oh, oui. Difficile à dire ça. Double album. Oui, oui. Voilà, c'est bien ça. Alors, parle-nous déjà de ton parcours, très rapidement. Je sais qu'il est long, mais essaie de nous édifier par rapport à ça. Bon, parcours, on va prendre déjà à partir de ce siècle-là. Donc, 2007, je sors de Rise Again, Et de 2007 à 2015, ça fait pratiquement 8 ans. Et ce public a besoin de dernières productions de Didier de Cocaille. Donc, voilà pourquoi je suis là pour présenter New Sun More Light, donc Nouveau Soleil Plus de Lumière, et À Cause d'un Plaisir, Le Ventre Vit. Donc, ce sont des sujets d'actualité qui viennent et qui reviennent toujours, donc pour essayer d'apporter encore ma pierre à l'édifice. J'apporte ces deux albums pour garantir à mes fanatiques que le reggae est toujours là et que Didier de Cocaille est là. Et... On peut les apercevoir. C'est bon, voilà. Alors, un double album, celui-là. Voilà, celui-là. Et puis, je tiens à dire, à donner un coucou à Libek, parce que c'est Libek qui a dessiné. Voilà, montre à la caméra. Nissan More Light. Voilà. Oui. Alors, il y a écrit Didier de Cocaille et de Zion Sun, ici. Voilà. Donc, en fait, ça a été fait exprès. Ça, c'est l'arrière. Ouais. Et le devant, c'est ici. D'accord. Okay, voilà. Parfait. Donc, Didier de Cocaille and Zion Sun. C'est avec les jeunes qui viennent... La nouvelle vague. La nouvelle vague, OK. Donc, et là, avec les Two Sons, donc avec les doyens du groupe. D'accord. Voilà. Il faut dire aussi que Didier de Cocaille est un artiste, chanteur de reggae engagé. Parce qu'il y a toujours des messages... dans tes textes. Oui, effectivement. Très bien. Et tes textes, tes messages tournent autour de quoi? Les messages, je crois que il faut écouter et découvrir Didier de Cocaille. Mmh. Parce que le temps est trop court pour que je vous explique. Mais le Rasta chante l'amour et le rôle de l'artiste, c'est d'orienter, de dénoncer, de divertir. Mmh. Donc, c'est dans le cadre de ma mission et tout est là-dedans. Très donc, bien. Il faut écouter ça. Didier, on a un appel Skype. Apparemment, c'est une fan... Bonsoir. 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 Comment t'appelles-tu? Je sais pas. Non, je suis Shona, la diva nationale. Ah oui, Shona. Ben Shona. Comment vas-tu, Shona? Ça va, merci. Très bien, Shona nous appelle du Sénégal. Alors, comme ça, Shona, tu es fan de Didier de Cocaille? Tu es fan de Didier de Cocaille? Un peu, j'ai écouté sa musique une ou deux fois au gars. Ouais, j'ai écouté sa musique une ou deux fois au gars. D'accord. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux passer comme message à Didier de Cocaille? Il est là, il t'entend? Non, ne fais pas la timide, Shona. Ah, message d'encouragement. Alors dis-moi Shona, quel est le tube de l'été qui t'a le plus marqué? Le tube de l'été qui m'a le plus marqué, c'est Louboutin d'Ombeda Music. Le Louboutin d'Ombeda Music. D'accord, c'est le tube de l'été qui t'a le plus marqué. Très bien. Est-ce que tu as une dédicace à faire passer, Shona? Ouais, je fais une dédicace à toute ma famille du côté de Gabon, à Jennifer, à Frankel, Rosem,
Aïman et toute la famille au complet. Bisous, bisous. Bisous. Alors, Shona, pour la prochaine fois, essaie de nous appeler quand tu es dans les rues de Dakar. Ce serait sympa. En tout cas, on t'embrasse. Samba, samba. Super Shona, à bientôt. Ben, c'est le moment de la pub. De la pub. Booster Prison, la tournée Booster Zouk Fever avec Audrey, Lael Mola et Créole. C'est déjà mon gars. Allez les filles, comment ça va? Salut. Comment vous buvez? Booster. Effectivement, vous avez reçu votre invite pour la tournée Booster Zouk Fever. Le mercredi 15 juillet 2015 au Boomerang, le jeudi 16 juillet au Palladio, le mercredi 22 juillet au Club, le jeudi 23 juillet à l'Oxy Plus, le mercredi 29 juillet au Temple et le jeudi 30 juillet 2015 au Vogue Nightlife. Un événement rêvé. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Didier Décocaille, chanteur de reggae. Alors Didier, comment va se dérouler ce showcase qui se déroulera donc samedi, qui se tiendra samedi 18 juillet au centre des loisirs au PK12. Comment ça se déroule? Bon, ça va commencer à 19h30. D'accord. Et c'est une soirée dédicace, donc je vais dédicacer les nouveaux albums à ceux qui viendront les acheter. Et il y a aussi la découverte des jeunes que j'ai beaucoup formés dans le reggae et qui viennent aussi partager la vibration positive. Donc il faut dire que c'est tout un programme qui commence à Libreville et je fais le tour du Gabon en fait, un tour de promotion. Et le 21, nous étions au Centre culturel français, donc à l'Institut français pour présenter aussi cet album, ces deux albums. Et la caravane continue de Libreville, Koulamoutou. Nous allons faire de façon, on va faire comme une ligne brisée. Hein. Bon, pour cette année, nous allons selon la vibration. Et l'année prochaine, nous allons sortir un programme bien détaillé qui partira de janvier jusqu'à août pour les concerts. Mais je tiens à signaler que ces albums sont disponibles. Pour l'instant, nous les livrons directement, c'est la vente directe. D'accord. Et quand on finit avec une ville, quand on va dans une autre ville, on dépose les CD dans les discothèques pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement du lieu du concert. D'accord. Voilà. Alors Didier, est-ce qu'il y aura des surprises? Oui, beaucoup de surprises. Ce jour-là, je crois que j'ai passé presque 8 ans, je n'ai pas travaillé. Et il faut venir découvrir, c'est vrai, il y a beaucoup de bonnes choses cachées que Didier Décocaille n'a pas encore révélées à ce public-là. La guitare, elle se joue avec les l'ox, elle se joue avec les dents, elle se joue avec les orteils. Cette guitare et moi, c'est une complicité. Bon, mais je sais qu'il y aura l'occasion pour ce public de Libreville de découvrir un jour Didier Décocaille en concert. Mais en tout cas, on a vraiment hâte de te voir sur scène. Hein, sur scène. Donc samedi 18 juillet, Didier Décocaille au PK12, au centre des loisirs. Est-ce qu'il y a un infoline Oui, il y a un infoline 07 29 80 70, un numéro simple comme celui-là, tu vois, qui n'a que 07 29 80 70. Bon, comme nous sommes sur Canal 7 et que tout le monde entier nous regarde, donc 241, voilà, plus 241, 07 29 80 70. Il y a encore un deuxième, 06, 29, toujours 84 et 93. Quelle mémoire, Didier, quelle mémoire. Mais dis-moi, Juliette, tu connaissais déjà Didier Décocaille? Oui, je connais Didier Décocaille. Fan de reggae, toi aussi? Non, par contre, de ses cheveux, hein, je veux dire. D'accord. Ah, moi, juste depuis tout à l'heure, je me regarde un peu fasciné parce qu'en fait, moi, j'adore les dreadlocks. Comme tu peux le voir, j'en ai. Effectivement, c'est ta coiffure. Et donc, moi, je me demande depuis quand tu as commencé tes dreadlocks, quoi. Bon, il faut dire que ça fait beaucoup d'années. Les années 90. Et il faut rappeler que les dreadlocks, c'est une coiffure africaine. Exactement. Okay? Nous devons être fiers de ça, parce que les autres, nos frères de l'Europe, en Amérique, ils ont la perruque. Donc nous avons la chance d'avoir une coiffure comme celle-là. Il faut la rehausser, okay? La préserver, la sauvegarder. Oui. Voilà. Donc, encourager ceux qui portent, ceux qui continuent à porter plus haut cette culture-là, parce que notre arrivée en ville nous a effacé beaucoup de choses dans notre culture. Et puis enfants n'ont pas d'informations sur ce qui s'est passé hier. Voilà pourquoi cette question. Mais parlons un peu d'enfants, Didier. Dans ton clip, Le Ventre Vide, il y a un jeune garçon, tout mignon,
Lui, c'est Salomon. C'est mon fils, oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, c'est trop mignon. Et il est sur les traces de papa? Il est sur les traces, mais je souhaiterais qu'il fasse autre chose comme ses grands frères. Hein? Oui. Bon, il faut dire que je suis un père de famille, je suis grand-père. Wow. Et je souhaiterais que mes enfants essaient d'occuper d'autres départements. Ouais, ouais. Okay? C'est vrai, le plus souvent, quand on a un métier comme celui-ci, on souhaiterait que ce soit son fils direct qui fasse. Mais la succession dépend de Dja. Et c'est lui qui programme toutes choses. Bon, s'il est dit, comme il a dit au roi David, que je vais susciter un successeur, il a suscité Salomon. Bon, lui, je l'ai surnommé aussi Salomon. Ah, si c'est jamais. Et alors, j'en ai formé beaucoup d'autres. Sait-on voilà. Jamais. Merci, tu restes avec nous, Didier. Oui. Le temps pour nous de regarder ceci. Me and my daughter Nicole, I guess this will be battle part two, because most of you folks said that she won, but that's good, that's good. Here we go. La vidéo de tel père, telle fille, la suite demain. Il est temps pour nous de rendre l'antenne, donc le temps pour moi d'adresser un merci. Un merci à vous qui êtes nombreux à nous appeler, à nous adresser vos messages. Merci à notre invité Didier Descocaille. Merci à Denise et Juliette, mais aussi à toute l'équipe technique de Samba Samba. Quant à nous, on se retrouve demain à partir de 18h10 sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. En attendant, partageons le bonheur. Et ce bonheur, c'est avec Didier Descocaille qui va nous jouer ce petit quelque chose. Please, my boat. Oh, I am the son of the Most High. 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 Right from the beginning of everything, you've been trying to press I down, no. Right from the beginning of everything, you've been trying to frustrate I, forgetting the rights of the widows and the orphans, from manipulations to intimidations. You've been robbing the whole nation, dividing the people through political strategies. But let me tell you this, the Almighty Jah will come to set the people free. Please don't try to rock my boat. 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 Blessings and a bad way in a full moon. Please don't try to rock my boat. I'm heading to Mount Zion. Don't derail my train. Please don't try.